Papa James, c'est quand qu'on arrive? Bientôt. Quand on arrivera en Oregon, les chariots s'arrêteront. Et on se construira chacun une vraie maison. À vous, les canaris! Accrochez-vous, les enfants. Du calme! Vous avez la jambe et deux côtes cassées. Qui va conduire le chariot? Moi, je veux bien conduire le chariot. Je peux apprendre. Ne raconte pas d'âneries, jeune fille. Ce pantalon? Bah, c'est pour les chevaux. Quelle calamité! Je ne tolérerai jamais une telle tenue dans notre communauté. Tu t'appelles comment déjà? Je m'appelle Marcus. Faut qu'on se débarrasse de cette chaîne. Tu fais moi le malin maintenant, tête de boue! J'ai rarement vu une fille aussi mal élevée. C'est pas une fille. La petite dame aurait peut-être du travail pour deux orphelins. Moi, je peux passer. Non, c'est trop dangereux. Vous employez des filles maintenant? Ouais, et celle-ci est très efficace. Aussi efficace que mal élevée. On m'appelle Calamity. Calamity Jay. Le pitch. C'est l'histoire d'un jeune homme mélancolique dans un monde hostile qui va se suicider. C'est pour toi. Jérémy, j'ai voulu qu'on se parle pour te dire qu'on travaillera finalement pas ensemble sur le film. J'ai changé d'avis. J'ai choisi Ramzy, voilà. Pourquoi on veut pas de moi? Pour ces cons-là, tu es trop. Trop? Albert, tu rejoins chez ta mère? Ben non, on est en froid. T'as regardé dans mon téléphone? J'aurais une raison de le faire. Monsieur, le cabinet fermé. C'est qui? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis son mari, monsieur. On n'est pas mariés, tu sors d'ici. Tu sors! Soigne ta jalousie. Qu'est-ce qui va pas avec moi? Si t'avais été acteur dans les années 60, t'aurais pas arrêté d'enchaîner les films. Télétransporte-moi. Ça va, mon chiffon? Ça va, j'arrive de loin. Je descends pour y voir plus clair. Mais qu'est-ce que t'as, mon petit chose? T'as l'air tout chose. Pourquoi tu me parles jamais de tes amours? Plus je l'aime, plus j'ai le monstre vert aux yeux rouges qui grandit en moi. Ça va aller, mon chiffon. Ah, ne retiens pas tes ailes, marche. T'aimes bien quoi, cher mec? C'est une vraie question. Jérémy, qu'est-ce que tu fais? Je prends mon texte pour audition. Ne cherche pas à comprendre. Merci pour tout, mes mères. Vos sœurs. Parfois, je me sens comme un trognon sur le compost qui attend juste d'être biodégradé. Mais parfois, quand même, qu'est-ce que tu peux dire comme connerie? Mais tu fais de la. Ton père et moi, on n'a pas eu de chance. Tu pourras. Mais je t'ai eu. Mais ça, c'est. C'est énorme. Alors là, je suis heureux. Avec toi. On s'aimait pas beaucoup et pourtant on restait ensemble dès qu'on se croisait. Depuis toujours, c'était comme ça. Ils sont tous là, à part les morts. Bernard, arrête. Oui, bien sûr, qui peut être là, le crouille. Tais-toi. Je vais te casser. Tais-toi. Fous le camp. Tu as toujours été comme ça. Une famille de fous, ça qu'on est. Il nous a même pas présenté sa femme. Il était tellement jeune. Fou furieux, rigide. Tu ferais quoi si on t'empêchait de travailler? Tu ferais quoi si on occupait ton pays? On se bat pour la France. Il est comme il est, mais il a toujours été gentil avec moi. Je t'ai écrit tout ça. L'ennui des corvées, ceux qui buvaient jusqu'à ce qu'ils s'écroulent. Les tours de garde, le soleil qui tournait, la chaleur, la poussière. Mais le reste, non. Et les faits, ils sont où? Et je ferai jamais. C'est pas des hommes qui font des trucs pareils, c'est des chiens.
Ça, on peut pas le raconter. Parce qu'il n'y a pas de mots pour raconter ça. Il n'y a pas de mots. On peut pas le dire. On peut même pas l'imaginer. Des hommes avaient fait ça. Putain, c'est une mouche. Pourquoi on sert pas de la mouche, là, pour se faire de l'oseille? Bon, on l'adresse comme un singe. On peut l'envoyer, tu vois, dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque. Et nous, on fait rien. On l'apprivoise. Frédéric Breton, mais c'est fou de se voir. Hein? Mais c'est quoi ce plan, là? D'où tu connais ces gonzesses, toi? Je connais pas, je sais pas qui c'est. Il y en a une qui me prend pour un autre mec, c'est tout, hein. Le truc, ok ou quoi? Je les ai invités pour combien de temps, les deux crados, là? Ce soir, j'ai préparé des paupiètes de dinde. Elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski. Depuis, ben, elle parle comme ça, quoi. Bon appétit à tous. Mais c'est fou dans cette chambre enfermée comme ça. Je sais pas rien. Tu regardes pas mes poitrines. Dans tes rêves, hein. Y a un truc qui craque, les deux gars là. Ça grave. C'est quand même fou cette histoire, non? C'est le monde qui est détraqué, quoi. Les gens pètent les plombs. Quoi? Ça craint la mort, là. C'était quoi ce gros machin? Une mouche. Une mouche? Ouais.